La coopération japonaise pour soutenir les efforts du gouvernement béninois dans le domaine de la sécurité alimentaire se traduit en actes. Vendredi 2 octobre dernier, 6 000 tonnes de riz ont été offertes dans le cadre de l'année fiscale 2014. Pour l'année 2015, le Japon reste dans la même dynamique. Nous voici à nouveau réunis aujourd'hui pour poser un nouvel acte dans la poursuite de notre coopération économique. Il s'agit de la signature, l'échange de notes de l'aide alimentaire de l'année fiscale japonaise 2015 pour un montant total de plus de 1,9 milliard francs CFA. À travers ce don, la coopération japonaise souhaite l'allègement du déficit alimentaire au Bénin et à terme l'autosuffisance alimentaire. Je souhaite très sincèrement que cet accord d'aide alimentaire n'entrave pas en aucune manière la détermination du gouvernement béninois dans sa politique de promotion des filières agricoles en général et celle du riz en particulier. C'est l'occasion de reconnaître au Japon tous ses bienfaits au Bénin. L'assistance alimentaire dont bénéficie le Bénin depuis plusieurs années, plus précisément depuis 1982, est la preuve tangible de l'excellence des relations qui existent entre nos deux pays et surtout celui du souci du gouvernement du Japon d'œuvrer aux côtés du gouvernement béninois pour la sécurité alimentaire, toute chose qui contribue à la lutte contre la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Ce stock de riz sera cédé à un prix forfaitaire aux populations. Il me paraît important de vous rassurer, Monsieur l'Ambassadeur, que la reconstitution des fonds de contrepartie se fera au fur et à mesure de la vente du riz, objet du don, pour la poursuite de la réalisation des projets socio-communautaires.